Femmerem des Champs est à Saint-Jacques-le-Mineur, pas loin des lignes de la colle, à peu près une dizaine de kilomètres. On a commencé à faire de la production de poulets grillés des années 1965. C'était des années difficiles à ce moment-là. En 1989, on a rebâti un autre poulailler pour que ça soit rentable un peu pour deux familles. En 2005, on est tombé producteur d'œufs. En 2015, on a décidé de faire le groupe Sabama pour s'impliquer dans les œufs pour la relève. On a une meunerie qui fait toute la moulée pour tout le monde. On fait à peu près 9000 tonnes par année. On a 13 ployers, ça fait qu'on distribue la moulée dans chaque ployer. Avec le maïs, il est tout passé à la ferme, puis je pense qu'on fait une belle qualité. Et c'est bien important aussi pour les poules qui nous donnent des beaux œufs. Ça commence à 6h le matin, normalement. Et moi, je m'occupe des ployers de poulets à griller. Il y a Lynn qui s'occupe, qui est ma conjointe, qui s'occupe de Femmerem des Champs. C'est moi qui fais la gestion d'un poulailler en logement conventionnel. On arrive au poulailler à 7h30 le matin et vérification de tous les logements au niveau moulé, eau. Après ça, c'est la cueillette des œufs, nettoyage, désinfectage, ménage. Et dans l'après-midi, je fais la comptabilité de la ferme Femmerem des Champs. Tous les producteurs s'aident, c'est ça que j'aime. Moi, tu n'appelles un, oui, ils vont t'aider, ils ne gardent pas leurs recettes pour eux autres. On n'est pas en compétition. C'est vraiment plaisant. On a la gestion de l'offre qui est très importante, qui maintient le prix, on s'entend, pour le consommateur, le producteur ainsi que le classificateur. Non, la gestion de l'offre, on ne devrait pas se débarrasser de ça. Ça devrait marcher comme c'est là. Je pense que c'est le consommateur qui bénéficie de tout ça. Au tout début, quand on a eu nos premières poules pondeuses, qui est ferme Femmerem des Champs, Valérie et Maggie s'impliquaient les week-ends à venir amasser les œufs. On aime bien ça, que la relève soit là, puis qu'elle soit active. Quand on est rendu à un certain âge, là, on veut prendre des vacances à un moment donné. Dans les poules pondeuses, c'est arrivé au bon temps, au bon moment, et on est très fiers d'être producteurs d'œufs. Je pense que Michel, c'est un passionné, puis il a transmis cette passion-là, même à moi.